à toutes et à tous. Je suis très sincèrement heureux de vous accueillir ici, je peux dire si nombreux. J'avais une autre parenthèse, si nombreux pour l'interrogation, mais là je peux dire si nombreux. Hein, ce soir dans notre belle église de Falvy. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de remplir toute l'église, malheureusement, mais en tout cas, on est à peu près, je pense, 200 ici ce soir. On avait 200 chaises, je pense que toutes les chaises sont remplies. Bon, on a eu quelques petits soucis de communication, hein. Certaines personnes ont pu lire par-ci par-là 20h30, donc c'était bien 20h, on a retardé de 20 minutes en espérant qu'il y aurait des retardataires, donc là, le quart d'heure picard étant passé, on va pouvoir démarrer. Bon, enfin, le principal, c'est que vous soyez là ce soir parmi nous. Hein. Donc, je vais tout d'abord remercier la communauté de communes, avec son président André Salomé ici présent, hein, grâce à qui on peut organiser ce genre de concert. Vous imaginez bien qu'il y a une petite commune comme Falvy, peut à elle seule organiser ce genre de concert. Donc si on y arrive, c'est grâce à la Com2Com, et je remercie son président. Donc, d'ailleurs, il y a un vice-président en charge de la culture qui est pas là ce soir, donc il m'a demandé pour l'étude. Donc il souhaitait quand même faire passer un message, même s'il a déjà eu l'occasion de vous le dire. Donc la Com2Com, elle rend accessible la culture à tous, hein, mais c'est important de le dire à tous, parce que c'est gratuit, donc c'est ça qui est important, et c'est pas parce que c'est gratuit on fait des concerts, je dirais, entre guillemets, pas de gamme. Vous allez voir, la prestation qui va vous être offerte ce soir, c'est vraiment de qualité. Et vraiment, on s'attache à rendre la culture accessible à tous, mais tout en restant de très haute qualité. Et ça, on y tient. Bon, je souhaite également remercier l'Association Culture et Loisirs, hein, et ses membres bénévoles qui m'ont aidé à préparer l'église ici depuis une semaine. Hein, donc, Pascal, Claude, Nicole, Albert, Jean-Louis, Harry, Valérie, Didier. Hein, j'espère que je n'ai pas oublié personne, sinon je vais me faire incendier. Ils ont quand même commencé depuis jeudi dernier à faire les toiles d'araignée, à laver les sols, les chaînes, etc. Et vous avez remarqué, ce soir dans l'église, il fait bon, parce que depuis une semaine, eh ben, on l'aère, on ouvre le matin, on ferme le soir, on met des grilles, des cadenas, pour toujours mieux vous accueillir et que vous soyez le mieux possible. Donc comme vous le savez, ce soir, on a la chance de recevoir ce jeune orchestre de Cracovie, hein, qui sont en tournée actuellement dans le Nord, ils ont entre 14 et 18 ans. Dimanche, ils étaient à Paris. Vendredi, ils seront au Casino du Tréport, et samedi, à l'église d'Abbeville, et aujourd'hui, ils sont à Falvy. Donc, vous voyez, quand même, on a la chance d'avoir vraiment des grands artistes. Et si ce soir, les hommes, je dirais que c'est grâce à Jean-Pierre Menu, le monsieur là-bas avec les moustaches, hein, que je souhaitais remercier personnellement. Hein. Bon, sans aller jusqu'à dire que Jean-Pierre est un habitué des lieux, il vient quand même troisième, quatrième fois qu'il vient, je pense, à Falvy. Hein. Donc, voilà. Et pour nous, c'est partagé, donc avec ou sans caméra toi du Cracovia d'ailleurs, et je dois dire qu'à chaque fois, on passe un excellent moment. Donc monsieur Menu, je vous remercie. Donc de toute façon, je ne vais pas détailler le programme ce soir, hein, il est spécialiste, il va vous l'expliquer, hein. Vous avez un petit dépliant. Donc avant de passer la parole au président monsieur Salomé, hein, donc il me reste à vous souhaiter de passer une excellente soirée musicale, ce soir à Falvy, et je vous remercie. Je voudrais simplement deux remerciements appuyés et des félicitations. Remerciements, je dirais, à la municipalité de Falvy, que comme l'a dit le maire, ils ont travaillé beaucoup pour vous accueillir. Et puis je voudrais remercier le vice-président de la communauté de communes, qui est Frédéric, bien entendu. Et c'est lui qui, je dirais, qui est en charge de la mission culturelle du Pays des Loirs. Bon. C'est un vaste programme, mais je peux vous dire qu'on a une commission qui maintenant fonctionne très bien. On a eu du mal à la monter il y a 5-6 ans, mais aujourd'hui, il y a une dizaine de personnes, et puis on sent que ça marche plutôt bien. Bien, les programmes, ce qu'on constate, voyez-vous, c'est que chaque fois qu'on a des programmes, je dirais, classiques, musique classique ou chant, on remplit les églises. Et on a essayé de faire quelques tentative avec les chansons des années 80, c'est différent. On ne s'adresse plus du tout au même public. Bon, ceci étant, je peux vous dire qu'au mois de mai, nous aurons l'orchestre de Monaco, le String Monaco, et en juin, on aura, ils auront un aile, et en juin, si mes souvenirs sont exacts, ce sera l'orchestre de chambre de Toulouse à Curchy. Donc, comme l'a dit Frédéric, on essaie de faire dans l'excellence. Voilà, donc je crois que finalement, on met un certain nombre de moyens au développement culturel du Pays des Loirs,
parce qu'on estime que ça fait partie de l'attractivité des territoires. Bon, il y a le développement économique, mais il faut aussi, je dirais, s'attacher au culturel. Voilà, c'est un peu la mission, l'objectif qu'on s'est donné, et c'est Frédéric qui a la charge de mettre ça en musique, c'est peut-être de dire. Voilà, et bonne soirée. J'ai oublié de féliciter ce groupe. Comme l'a dit Frédéric, ça fait la quatrième année qu'on reçoit M. Menuch et ses formations. Je sais qu'il y a 2 ans, on a passé une soirée, je dirais, vraiment sympathique, et on a été émerveillés d'écouter, disons, tous ces jeunes virtuoses. Alors on pense que ce soir, ce sera la même chose, et puis que dans 2 ans ou 3 ans, on remettra ça avec eux, ou avec eux peut-être, mais comment dire, avec, je dirais, peut-être encore un orchestre, avec les cuivres. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis, en tout cas, c'est la musique.
cette pièce, cette sérénade, pour ensemble à cordes de M. Kalinnikov, musicien russe du début du XXe siècle, ouvrait ce programme. L'essentiel du programme est donc interprété par cet ensemble à cordes, l'orchestre de chambre. Et nous allons parcourir ensemble plusieurs périodes d'histoire de la musique, puisque nous allons vous donner à l'instant un concerto d'Antonio Vivaldi. Nous sommes au début du XVIIIe siècle et nous allons passer la barrière du XXe siècle puisque l'une des pièces du programme a été écrite, créée en 2005, donc au XXIe siècle. Vivaldi, pas nécessaire de le présenter, vous connaissez bien sûr tous ses excellents quatre saisons. On joue souvent les quatre saisons et on oublie que Vivaldi a écrit beaucoup d'autres choses. Vous savez qu'il était un violoniste fameux, compositeur, il était aussi enseignant, il enseignait dans une école, un peu comme celle dont viennent ces jeunes gens, et qui accueillait des jeunes orphelines de Venise, et à qui on assurait l'avenir professionnel en leur apprenant un métier. On leur apprenait le métier de couturière ou de cuisinière, et puis les plus doués d'entre elles, après une sélection rigoureuse de leurs compétences, intégraient il coro, la chorale, et les plus doués des plus doués, on leur apprenait le jeu du violon, de la flûte, du basson, de tous les instruments qui peuplaient les excellents orchestres italiens de cette période baroque. On venait de loin pour écouter ces jeunes filles, ces jeunes élèves d'Antonio Vivaldi. Il écrivait pour le violon, son instrument, le violoncelle. Il écrivait aussi pour la flûte, le basson, le hautbois. C'est un de ses concertos pour flûte, Per il flauto, que nous allons vous donner. Et quand Vivaldi écrit Per il flauto, il entend, c'est très clair, il n'entend pas la flûte traversière, il entend la flûte à bec, l'instrument dont je vais jouer à l'instant. Thank you.
Alors nous allons finir notre première partie de concert en allant un peu plus vers le 19e siècle, en retournant vers le 19e siècle, où nous étions en début de concert avec Kalinnikov. Mais cette fois-ci, nous sommes en Angleterre, et ce Gustav Theodor Holst, compositeur anglais, quand il a écrit une de ses premières symphonies, Les Planètes, qui a été extrêmement diffusé par la BBC au début du siècle, a connu une faveur tout à fait extraordinaire. Mais ce Holst, ce n'était pas un personnage très à la recherche des honneurs. Et en fait, il s'est fait un peu oublier, mais sans oublier de produire de la musique. Et une musique tout à fait excellente, qui a peut-être peu marqué le public, qui l'a un peu oublié depuis cette très belle symphonie, je vous recommande de l'écouter, Les Planètes, mais qui a beaucoup impressionné ses contemporains, en particulier Benjamin Britten, le grand compositeur anglais du XXe siècle, était un grand admirateur de l'œuvre de Gérard, de ce Gustav Theodor Holst. Alors, ce qui était étonnant dans cette musique, c'est que, et c'est vraiment effrayant de pouvoir la jouer ici à Falvi, dans cette campagne extraordinaire, dans ce paysage merveilleux qui est celui de votre village et de cette vallée de la Somme, Holst, visiblement, a beaucoup fréquenté les fêtes de village, les fêtes de campagne, les fêtes de paysans. Et sa musique est tout à fait imprégnée de cette culture extraordinaire, de cette culture populaire, qu'il écrit, qu'il transcrit. Un peu comme on entend dans Vivaldi, on entend des ritournelles de danse paysanne, eh bien, Holst fait la même chose, mais cette fois-ci avec son répertoire à lui, le répertoire de son pays, le folklore anglais. Voici cette suite de Saint-Paul de Gustav Theodor Holst.
Thank you.
nous allons vous proposer et leur proposer une brève pause, pas trop longue, pour ne pas retarder trop la fin du concert, car il faut que vous sachiez que tous ces jeunes gens sont accueillis par une association des œuvres musicales de la vallée de la Brelle, et les membres de cette association se sont mobilisés pour accueillir dans leur maison l'un de ces jeunes musiciens. Peut-être qu'un jour, nous vous mobiliserons aussi à notre tour pour accueillir ces jeunes gens. Alors donc, voilà, je voudrais simplement vous signaler qu'à l'entrée de l'église, vous trouverez quelques enregistrements qui n'ont pas été faits par cet ensemble-là, mais par d'autres ensembles dans lesquels que je dirige, et en particulier un enregistrement qui a été réalisé avec ce clavecin que vous voyez là, qui est la copie, la réplique d'un instrument français de la fin du XVIIe siècle, qui a été réalisé en bois de forêt de Eu, là où j'habite, et qui a été présenté tout à l'heure au collège de Bernaville, devant des élèves de 5e, qui maintenant savent comment fonctionne un clavecin avec cette petite mécanique de saut. D'ailleurs, si certains d'entre vous sont curieux de savoir comment fonctionne un clavecin, eh bien écoutez, ils seront les bienvenus à la fin du concert. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation de concert. On va les libérer. 5 minutes.